Ou est pays ça que nous toutes rêvions ouais qui changeait? Ou est pays ça nous toutes qu'à vivre à l'étranger tant qu'au Haïti? T'as aimé ouais? Pour nous vivre bien là-dedans, l'est difficile pour gagner un changement qui fait dans pays ça. Tout autant, c'est formule moun sa yo nou genye ki di kap goumé pou pepa. Tout zanmi fanmi yo, tout mamba kominote le dwa des Ayisyen yo, mwen salye nou. Mwen pral fè nou dan de André Michel, ansyen avoka pep Ayisyen, ki tap goumé, ki te nan oposisyon. En face ancien président Jovenel Moïse là et ancien président Jovenel Moïse qui était choisi Ariel Henry et qui fait partie membre PHTK opposition ça que André Michel était là-dedans auparavant et ben journée jodia c'est en face opposition ça lié pour le goumer pour Ariel Henry m'attendais André Michel et même j'aime pral faire nous tendez à. C'est un bagage grave, c'est un bagage triste, c'est un bagage terrible. D'après André Michel, question 7 février pour lever campé contre Ariel Henry, c'est un rance, c'est une blague, c'est rancé. Nèg qui dit yo la révolution, yo a rancé. Manifestation contre Ariel Henry. D'après André Michel, c'est tant nèg yo gen pour yo perdi, eh bien, y a perdi ta. Ouais, Haïti. Changement pays ça, beaucoup elle même nan rêve, pas besoin de nous nan jikle. Par rapport de 4000 moun sa yo nou genye. Qui dit y a goumé pour pays nous. Gardez comment n'a pas recevoir humiliation par rapport de yon force étrangère qui vient pour entrer dans pays d'Haïti. C'est comme si yo prend nous pour chouette à pile et tandis que c'est pas moun nous pas gagner qui pour ta goumé. Un phénomène insécurité ça dans pays a. Mais nous juste voulions force étrangère entrer dans le pays et n'a toujours été en bas domination États-Unis. C'est comme si nous c'est esclaves libres parce que nous pas qu'à prendre décision parce que nous pas gain monde pour qui combattre pour nous et c'est pas gain nous pas gain vrai mais nous juste Pavli, sa fête. Bam kite nou tande André Michel ka pale pito. Ah, baba nou mati, sa fè mal, oui. Sa tellement fè mal. Sa ti pa gen espoir pou Haïti, non? Pa gen espoir pou Haïti. Mwen pa gen aucun inquiétude. Son date ki se 7 février. 7 février, fèm confiance. Se ap yon jour. Même gens avec tout l'autre jour. C'est vrai, il y a une alliance qui fait, alliance ça, il y a un dernier chef gang, il y a un machin de drogue, il y a un politicien qui a cherché pouvoir dans toutes conditions, politicien qui a bougé jouet, mesdames, ou les débats, mais alliance ça, pas pour aucun côté. Alliance ça, pas porter aucun résultat politique. Alliance ça, capable permettre yo voyer quelques roches dans pays ya yo capable faire quelques désordres en plus mais alliance ça pas bail aucun résultat politique il pas aller aucun côté parole monde qui a lancé mouvement comme si m'ta dit au bon pouvoir on va le prendre et cetera bon pouvoir bon problème pas ça c'est blague 7 février à puis un jour, même gens à tout l'autre jour. Et quoi, si nous voulons?
Il y a deux choses qui sont importantes aujourd'hui. Et moi, je souhaite tout le peuple ici comprendre ça. Aujourd'hui, Jean SDP était toujours Abdil depuis le commencement. C'est dans le dialogue, dans la concertation, dans le parler entre nous pour nous joindre comment pour nous sortir de la crise politique. Le dialogue politique, là, faut le continuer. Dans le temps acteur politique, dans le temps société civile. Le dialogue politique, là, c'est lui-même qui vous permet pour nous joindre une façon pour nous monter un gouvernement unité nationale. Dialogue politique là doit permettre de monter un conseil électoral crédible que tout le monde fait confiance. Dialogue politique là doit permettre que nous créer conditions pour nous faire révision constitution et que nous mène un pays à dans une élection pour le peuple capable de choisir qui monde qui pouvait diriger. C'est ça le débat politique là. Deuxième bagaille qui est important après causer dialogue là, c'est causer sécurité. Je dis à peuple haïtien, plus gros problème ni c'est problème sécurité. Kidnapping cap valé terrain. Mon Matissan, Fontamara, mon La Plaine, mon Tossel, mon Kafoufei, tout le monde qui quitte Kayo, il a besoin de sécurité. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous pas envoyer roche caché mais nous en bataille pour gagner une force internationale qui pour venir dans le pays, pour venir aider la police à craser les gangs. C'est ça que les pays ont besoin. C'est dans la bataille ça, SDP. Les gens qui peuvent avoir les forces internationales là, venir dans le pays, c'est les gens qui gagnent d'autres intérêts. Les gens qui supportent les gangs en bas, les gens qui gagnent intérêt pour le pays a toujours été dans des ordres. Mais nous-mêmes, dans SDP, nous n'avons pas supporté aucun gang. Nous pas dans passeport qui pour gang. Nous toujours dit, le pays n'a pas sorti dans ce lieu-là, si par une force internationale qui vient pour aider nous craser toute gang qui vient dans le pays. Il faut que nous profitions de la présence de force internationale ça, pour nous mettre sécurité dans le pays. Pour les gens qui ont business, qui ferment, relouvrir business. Pour touristes retourner dans le pays, il faut que nous profitions de force internationale ça pour nous faire élection dans le pays, pour nous faire révision de la constitution. Il faut nous profiter de la présence de force internationale là pour nous construire des forces de sécurité nationale, tant que l'armée, tant que la police. Pour nous pas jamais tourner dans l'obéi ça encore. Nous-mêmes, nous avons un débat qui est constructif. Le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de dialogue, le pays a besoin d'entente. Et c'est ça la bataille du SDP. Nous allons rentrer dans cause des gens qui pensent que les bagages qui vont passer dans le pays à 7 février. Nous allons aussi rêver à rêver en technicolor. C'est blague, y a bail. Pas rien qui a passé 7 février à puis un jour, même genre tout l'autre jour. Mais il y a deux bagages qui sont importants. Dialogue politique là, pour nous joindre entente, pour aller à l'élection, pour le peuple choisir qui est-ce qui pouvait nous diriger le pays. Deuxièmement, sécurité. Et Jean SDP toujours dit, nous ne sommes pas capables de sortir en bas de gang si pas une force internationale qui pouvait aider la police à craser gang dans le pays d'Haïti. Et nous-mêmes, dans SDP, nous ne pas supporter gang. Ils ont fait une bataille pour force internationale à venir. Politiciens qui ont supporté gang en bas, ils ont pris pour ces patriotes, ils n'ont pas voulu force venir. Parce que c'est gang qui a supporté. SDP pas supporté gang, même j'appelle pas ici, on a tant de forces internationales.